Shavua Tov, nous sommes le Motzé Shabbat 18 Adar Alef 5776. Nos études sera aujourd'hui les Lunishmat, ce soir les Lunishmat Rivka Bat Avraham et l'Irfuat Tehila Bat Sara. Nous étudions Baba Kama Perek Gimel Mishnah Chet Shnei Shvarim Tamim Shechavlu Ze Etze Meshamim Bamotar Chatzi Nezek Shnei Muadim Meshamim Bamotar Nezek Shalem אחד תם ואחד מועד, מועד בתם משלם במותר נזק שלם, תם במועד משלם במותר חצי נזק. וכן שני אנשים שחבלו זה בזה, משלמים במותר נזק שלם. אדם במועד ומועד באדם, משלם במותר נזק שלם. אדם בתם ותם באדם, אדם בתם משלם במותר נזק שלם. תם באדם משלם במותר חצי נזק, רבי עקיבא אומר, אף תם שחבל באדם, משלם במותר נזק שלם. À partir de cette Mishnah, et pour les deux prochains prakim, jusqu'à la fin du Perek He, milieu plus ou moins, on va parler essentiellement de Shor Shenagach, un taureau qui encorne. Keren, le Nezek de Keren. Alors on va commencer par rappeler la singularité d'abord du Nezek lui-même, du dommage, c'est que, on avait expliqué, qu'initialement, en théorie, la Torah aurait dû dispenser de rembourser les dommages du taureau qui encorne, pour les trois premières fois au moins, parce que un taureau est de nature inoffensif. Il fait peut-être peur, mais il fait pas mal. Il n'est pas censé encorner. Il encorne que quand il est dans un état de nerf anormal. De ce fait, initialement, je ne sais pas ce qu'on peut dire en théorie, la Torah, d'un point de vue justice de la Torah, aurait dû dispenser de dédommager. Cependant, la Torah a dit, malgré tout, je veux que tu payes quand même la moitié du dommage. Paye au moins cette moitié, comme ça va stimuler les gens à mieux surveiller leur taureau sur la voie publique et qu'il y ait moins de dangers publics qui se promènent finalement. C'est une barrière de sécurité. Donc la singularité maintenant de cette situation va faire qu'on va payer la moitié du dommage. Cette moitié-là s'appelle un knas, c'est une amende. Il y aura des halakhot qui découleront de ça, on en les verra plus tard. Et autre singularité, c'est que si je paye la moitié du dommage, mais à responsabilité limitée jusqu'au plafond, jusqu'à la valeur du taureau. On va illustrer ça avec un taureau qui coûte 100 shekels, qui encore un autre taureau qui coûte 500 shekels, et le tue. Il ne laisse plus rien. Donc, premièrement, le taureau encorné coûtait 500 shekels, je dois théoriquement lui rembourser 250. Mais étant donné que le taureau qui est encorné ne coûte que 100, eh ben, je ne lui donnerai que les 100 shekels que valent le taureau et pas plus. D'accord? Pourquoi? Je dois payer la moitié du dommage, c'est ce qu'on appelle Khatsi Nezek, la moitié du dommage. Et aussi, le taureau paye Migoufo pour les trois premières fois, c'est-à-dire qu'il paye jusqu'à la valeur de son corps, Migoufo. Après les trois fois, à chaque fois d'abord qu'il encorne, on le prend et on l'amène au Bet Din, et le Bet Din lui dit, nounounou, surveille ton taureau. Au bout de trois fois, le taureau devient mouad, il devient un taureau averti, et dans ce cas-là, on se fait imposer de rembourser, de dédommager complètement le Nizak, l'endommagé, et lui payer, bien sûr, même de mon compte bancaire, pas uniquement selon la valeur du taureau. Donc, le taureau qui coûte que 50 shekels, qui est devenu mouad, et qui est encore un taureau qui coûte 500 shekels, je devrais lui payer 500 shekels de ma poche, tout simplement. D'accord, ça c'était pour le rappel de la singularité des lois de Keren, le taureau qui encorne. Maintenant, notre Mishnah, elle va être, on pourrait la couper en deux parties. La première partie va parler d'un taureau qui encorne un autre taureau, et cette fois-ci, on va mettre l'accent sur la particularité quand un taureau ne paye que la moitié du dommage et l'autre taureau doit payer tout le dommage, comment et que mutuellement ils s'agressent. Qui doit rembourser, de quelle manière, on va en parler, ça c'est la première partie. Et la deuxième partie de la Mishnah, il va y avoir dans une petite phrase de transition, on va parler d'un homme qui doit causer un dommage à un autre homme. Et puis ça va nous permettre ensuite d'entrer dans un autre sujet, qui va parler d'un homme qui se bat contre un taureau finalement, où l'homme est fautif et le taureau est fautif, tous les deux sont fautifs. Et de quelle manière est-ce qu'on va déduire et rembourser le dommage, le calculer et le rembourser, d'accord? Donc la première partie maintenant, on va parler d'un taureau qui encorne un autre taureau. En théorie, on va prendre d'abord le deuxième cas qui est beaucoup plus facile. Dans la mesure où les deux taureaux sont avertis, donc chacun doit payer Nezek Shalem,
S'il impose, on va maintenant, à partir de maintenant, on va parler de deux taureaux, un qui coûte, tous les deux 200 shekels, et l'un cause un dommage de 100 et l'autre cause un dommage de 40. D'accord ? Histoire de faciliter le dialogue, le discours. Donc, l'un cause un dommage, chacun coûte 200 shekels, l'un cause un dommage de 100 shekels, donc après le taureau il vaut plus que 100, et l'autre cause un dommage de 40. Ok ? Maintenant, dans le cas où tous les deux sont mouad, sont deux taureaux avertis, il n'y a aucune question, l'un paye, c'est-à-dire puisque l'un doit rembourser 100 shekels et l'autre doit rembourser 40, on va faire que celui qui doit rembourser les 100 shekels va rembourser finalement 60 shekels, et comme ça, les comptes sont bons. Ça, c'est quand c'est deux taureaux mouad. La même chose avec deux taureaux tam. Dans notre cas, ça va être assez facile. L'un a causé un dommage de 100 shekels, mais puisqu'il doit payer que la moitié, ça fait 50. L'autre a causé un dommage de 40, mais puisqu'il doit payer que la moitié, ça fait 20. Donc l'un doit payer le 50 shekels. L'autre doit lui payer 20. Ça fait que finalement, celui qui doit payer les 50, il va payer 30. Et comme ça, à nouveau, on ferme les comptes de cette manière. La particularité qu'il va y avoir maintenant, c'est que maintenant, on va porter le cas intermédiaire, où c'est un taureau tam qui est encore un taureau mouad. Un taureau donc inoffensif, non averti, qui est encore un taureau averti. Alors là, ça va être délicat. Les mots de la Mishnah vont être un petit peu flous, et qu'il y a sur ça une grande discussion de Jeunim, comment interpréter la Mishnah. Je vais directement prendre le pirouche du Bartenora qui suit l'explication du Roche, qui explique dans Rashi, qui n'est pas à la halakha, mais étant donné que dans les mots, ça rentre mieux, tout ce que tu expliques. Ça rentre mieux dans les mots, donc on va choisir cette manière d'expliquer la Mishnah, et après je vous donnerai l'autre manière de calculer. Alors ça va se passer comme ça. On reste toujours dans notre cas où 200-200, et l'un cause 100 et l'autre un dommage de 20, de 40. Mais cette fois-ci, on va changer la donne, on va faire qu'il y en a un qui est tam et l'autre qui est mouad, et il va y avoir deux cas de figure. Le cas où c'est le tam qui cause un dommage plus grand, et le cas où c'est le taureau mouad qui cause un dommage plus grand. D'accord ? Voilà ce qu'on va expliquer. Alors ça se passe comme ça. Si le taureau tam cause lui-même le dommage de 100, et le taureau mouad cause le dommage de 40, donc pour le moment, la balance bascule vers le propriétaire du short tam. C'est lui qui doit rembourser, puisque c'est lui qui cause un dommage plus grand. En théorie, il doit rembourser combien ? Si tous les deux étaient mouad, il devrait rembourser 100 moins 40 égale 60. Donc 60, et on lui dit, tu sais quoi, tu payes Khatinezek, parce qu'au moment de passer à la caisse, on te dit, maintenant, une fois qu'on a calculé les responsabilités de chacun et les dûs de chacun, ça c'était un calcul théorique, puis maintenant, au moment de passer à la caisse, on te dit, tu payes que la moitié. D'accord ? Et inversement, quand c'est le chaud, Mouad qui commence, lui, à encorner l'autre, alors toi, tu lui as causé un dommage de 100, le Mouad qui a causé le dommage de 100, et le Tam qui a causé le dommage de 40. Alors sur ça de nouveau, celui qui, donc on fait la différence avant de soustraire et de diviser, on fait d'abord la différence des dommages, et on va voir le propriétaire du Mouad du taureau averti, on va lui dire écoute, tu dois payer 60, et c'est tout. D'accord ? Ça c'est la Mishnah, on l'a fait tout de suite dans les mots. La première partie de la Mishnah. Shne Shvarim Tamim Shechavlu Zehetze. Deux taureaux Tamim Tam simple, inoffensif, Shechavlu Zehetze, qui se sont mutuellement agressés. Meshalmim ba Motar Khatinezek, ils devront payer sur la différence. Motar, ça vient de Yoter, de Yeter, le surplus. Ils vont payer sur la différence le Khatinezek, la moitié du dommage. Donc comme ce qu'on a dit, 100 moins 40, ça fait 60, la moitié, ça fait 30. C'est clair ? Petite précision quand même que le Roche dit, c'est que on parle ici que les deux taureaux ont commencé mutuellement à se chauffer. S'il y en a un qui est parti voir l'autre, l'a agressé, et que suite à ça, l'autre lui a répondu et lui est rentré dedans, alors le deuxième est dispensé de rembourser au premier. C'est que le premier qui rembourse le deuxième, selon la règle qu'on avait prise, qu'on avait appris, « Kola meshane ou ba'acher veshinabo patour » tout celui qui se conduit anormalement, si quelqu'un d'autre vient et en retour se conduit anormalement envers lui, alors il est dispensé de le rembourser. C'est exactement l'idée. Le premier agresse le second, il n'avait pas à l'agresser,
le second lui a rendu, il est dispensé. Ça c'était pour l'explication de la première partie de la Mishnah, la première phrase. Maintenant le deuxième cas de la Reisha. Shneem ou Adim, si les deux sont de taureaux avertis. Mais Shamim Bamotar Nezek Shalem, il faudra payer sur la différence de Nezek Shalem, à nouveau la même idée. 200, 140, différence de 60, tu payes intégralement la différence. Maintenant, c'est le cas qui se complique. Echad Tam ve Echad Mouad, si l'un est Tam, simple, et l'autre est Mouad, averti. Mouad Betam, si le Mouad a causé un dommage plus conséquent au Tam, donc c'est le Mouad qui a causé le dommage de 100, et l'autre, le petit Tam là, qui lui a fait le dommage de 40, mais Shalem Bamotar Nezek Shalem, on fait la différence, on calcule 60, et tu les payes intégralement. Et si on inverse maintenant les rôles, Tam et Mouad, si c'est le Tam, le non-averti, le simple, l'inoffensif, qui a agressé le Mouad, le taureau averti, c'est lui qui a causé un dommage plus grand, donc c'est lui qui a causé le dommage de 100 et l'autre lui a causé le dommage que de 40, alors on fait la différence, 60, et Meshalem Bamotar Ratzinezek. Il faudra payer sur cette différence la moitié. Voilà pour l'explication de la première Mishnah, selon le Barthénoir, selon le Roche qui explique Rashi. Ça c'est un premier Roche. Il y a maintenant une deuxième explication, et qui sera, la halakha ne sera pas comme cette explication, mais comme l'autre avis, qui interprète différemment. C'est un peu plus délicat, on va plutôt dire comme ça, que le... Si on veut vulgariser la notion, on va dire comme ça. Quand le taureau tam, inoffensif, cause le dommage, alors on considère qu'il ne cause que la moitié du dommage. L'autre moitié, il ne la doit pas du tout. Ça va changer tout de la donne. C'est-à-dire, au lieu de faire d'abord le calcul de la différence, et seulement appeler après, une fois qu'il va passer à la caisse, on va lui dire tu payes la moitié, on va a priori calculer et estimer le dommage en calculant le fait qu'il ne paye que la moitié. Ça va faire que, par exemple, si on reste dans notre cas qu'on a expliqué, alors quand le taureau mouad cause un dommage de 100, et que le tam cause un dommage de 40, alors on considère que le tam n'a pas causé 40, il n'a causé que 20. De ce fait, ça va faire une différence de 80. Et inversement, si le shor tam a causé le dommage de 100, et que le shor mouad a causé le dommage de 40, on ne va pas d'abord dire, ah, 100 moins 40, donc ça fait 60, on divise par 2, ça fait 30. Non, on ne fait pas comme ça. On fait à l'envers. On dit, regarde, le taureau tam qui a causé un dommage de 100, lui, il a payé que la moitié de ça, ça fait 50. Ça fait 50. Et l'autre, il a causé un dommage de 40, il a payé, lui, payé que 10. Parfois, on va même se retrouver dans un cas un petit peu original. Supposons maintenant, on reste dans le même cas, mais avec le short mouad qui a causé un dommage de 60. Donc le short tam a causé un dommage de 100, mais paye que la moitié, 50. Le short mouad, lui, a causé un dommage de 60. Qui a causé un dommage plus grand? Le short-tam. Qui se fait dédommager? Le propriétaire du short-tam. Puisque l'autre, il va donner 10 shekels de différence. Parce qu'on considère que, on va, pendant nos calculs, on va faire entrer le fait que le short-tam ne paye que la moitié. Il y a de quoi compliquer ça, mais on va s'arrêter là, c'est assez net. C'est bien prononcé, bon, j'aime tout à fait. D'accord? Maintenant, on passe dans la deuxième partie de la Mishnah. D'abord, la petite phase de transition. Vechen shne anashim shechavlu zebazé. Meshamim Bamotar Nezek Shalem. Étant donné que dans la suite de la Mishnah, on va faire entrer l'homme qui cause un dommage à un taureau, alors là, on a voulu d'abord appeler une halakha entre deux hommes qui se causent un dommage mutuel. Alors là, on ne dit pas, oh, tu me mets un coup de poing, et comment c'est la chanson là, de Gainsbourg, il m'a affilé une trempe et je lui ai donné une je ne sais plus quoi. Ouais, on ne dit pas, ex aequo, non, 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 on fait un calcul. Là, le poing dans la tête a fracassé 5 dents, ça fait à peu près 2000 shekels. Et l'autre qui va arracher la barbe, ça fait 50 shekels, et tu payes quand t'as la différence. D'accord? Ouais, on ne dit pas un contre un, mais on fait un calcul net et on paye la différence. Ensuite, Adam be Mouad ou Mouad be Adam. Maintenant, on va commencer à parler de l'homme qui affronte le taureau. Tous les deux sont fautifs, comme précisément, selon Roche, c'est pas un qui a commencé avec l'autre. Ouais, ça peut arriver. Le taureau qui est venu commencer à agresser, mais l'homme, attention. L'homme, c'est vrai que kolam meshane ou bacher veshinabo patour, que si je me conduis anormalement, t'as le droit, et que tu te conduis ensuite, en retour anormalement face à moi, tu es dispensé de payer. Mais c'est que si tu fais sans intention. Mais par contre, par exemple, je suis tombé par terre, je devais me relever, t'as pas fait attention, tu m'as écrasé. Sur ça, on me dit, ah, je dois pas payer parce que kolam meshane ou bacher veshinabo. Celui qui se conduit anormalement,
si en retour, quelqu'un d'autre conduit aussi normalement envers lui, il est dispensé de le dédommager. Mais par contre, s'il est consciemment, on n'a pas le droit de se conduire mal. Si je vois quelqu'un qui fait une, même qui ose sortir ses fruits dans le réchute arabie, et les mettre en plein milieu du parterre, je n'ai pas le droit de partir m'amuser à les écraser. J'ai le droit de prendre tous les fruits et de les pousser. J'ai le droit de ne pas considérer les fruits et de marcher sans prendre la tête à regarder qu'est-ce qu'il y a par terre. Mais si je le vois, j'ai pas le droit de consciemment de partir les écraser, d'accord? Donc là, on peut parler d'un cas pareil. Par exemple, le taureau est venu, a voulu commencer à encorner l'homme, et l'homme aurait pu facilement enfermer le taureau, mais il a préféré montrer ses gros bras d'Hercule et commencer à se battre avec le taureau devant tout le monde. Donc finalement, il y a eu des dommages mutuels. Et donc là, alors, si le taureau était mouad, il était averti, alors là, c'est simple. Mais Shalem Bam Motar Nezek Shalem, on n'a plus besoin d'allonger. Il faudra payer. Sur la différence, Nezek Shalem, c'est clair. La suite, maintenant, on va parler Adam Betam, Betam Be'Adam. Il y aura exactement la même chose. Ce sera le même principe. Avec une petite différence, ce sera Rabbi Akiva qui va dire différemment. Adam Betam, Betam Be'Adam, l'homme qui est encore un taureau tam. Qui se bat et qui blesse le taureau tam. Et le tam Be'Adam. Et le taureau tam, inoffensif, qui aussi cause un dommage à l'homme. Alors, Adam Betam, si l'homme a gagné Musclor, il a réussi à battre le taureau tam, alors il faudra le dédommager. Mais Shalem, Bam Motar Nezek Shalem, on va dire, le taureau a causé une blessure à l'homme de 100 shekels, de 60 shekels, l'homme, lui, a réussi à lui mettre une bonne trempe, et le faire descendre et le faire perdre 100 shekels de valeur, donc ça fait une différence de 40, j'ai inversé les chiffres, je préfère rester sur les mêmes chiffres que j'avais, donc ça, je m'excuse, on fait 40 et l'autre 100, donc ça fait une différence de 60, et donc l'homme, c'est l'homme qui l'emporte, lui il paye Nezek Shalem, donc il paye les 60 intégralement, ou d'après votre avis, il faudra payer 80. Tam Be'Adam, par contre, si c'est le Tam Be'Adam, le taureau inoffensif, qui l'emporte, qui fait lui le dommage de 100 à l'homme, tandis que l'homme ne lui fait un dommage que de 40. Alors, ça fait une différence de 60. Mais Shalem Bam Motar Khatsinezek, il faudra payer la moitié de 60, 30, ou à nouveau, selon votre avis, c'est compris. Rabbi Akiva Omer, Af Tam, Shechaval Be'Adam, Mais Shalem Bam Motar Nezek Shalem. Particularité de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva pense qu'un toute la lachot qu'un taureau Tam, inoffensif, ne paye que la moitié du Nézek, ce n'est que lorsque le taureau encorne un autre taureau, ou n'importe quel bien. Mais s'il encorne un homme, alors il devra, dès le début, lui payer Nézek Shalem, intégralement, l'homme dédommagé. Il n'y a pas de Khatsi Nézek, mais il y a quand même une petite singularité. La Gemara précise, même le Bartendor l'a ramené, je crois, ou sinon Rabbi Akiva Iger, malgré tout, il payera Nezek Shalem, mais Migoufo uniquement, à responsabilité limitée jusqu'à la valeur de son corps. C'est clair? Donc si on illustre ça avec des chiffres, le taureau cause un dommage à l'homme de 500 shekels, et l'homme un dommage de 50 shekels, donc ça fait que le taureau doit lui rembourser 450 shekels. Selon Tanakama, il paye que la moitié, ça fait 225. Supposons que le taureau a de quoi assurer, il lui payera les 225. Sinon, il le limite à la valeur de son prix. Tandis que l'homme, et tandis que d'après Rabbi Akiva, il faudra payer les 450 shekels de différence. Mais malgré tout, si le taureau ne coûte que 200 shekels, alors il ne lui donnera que les 200 shekels. Et s'il coûte 300, 300, 400, 400, 500, il pourra lui payer les 450. C'est clair? Voilà pour la Mishnah. On s'en est bien sorti. On fait très rapidement le Barthénora. Meshalem Bamotar Khatsi Nezek. Alors regardez comment le Barthénora va nous faire entrer l'explication qu'on a dit. Shamin Maezeko Shelze Yoter Al Nizko Shelze. On commence d'abord à évaluer le dommage, combien le dommage de l'un est supérieur au dommage de l'autre. On ne fait pas encore entrer, on ne considère pas encore le fait qu'il faut payer Khatsi Nezek. Ou Beoto Motar, sur cette différence-là. Alors, Meshalem, Miche Izikiotel est à Khetsi. Celui qui a causé le plus grave dommage devra payer maintenant la moitié, parce que là on parle du cas de la Reisha, où c'était Tam contre Tam, inoffensif contre inoffensif. Ensuite, Moad Betam, Meshalem Bamotar, Nezek Shalem. Klomar,
C'est-à-dire, Imo Isik et Atam Yoter Mimash et Isiko Atam, si le Mouad l'avertit a causé un dommage plus conséquent que ce que le Tam, l'inoffensif, lui a causé de dommage, alors là on fera tout à nouveau tout ce système-là de calculer la différence, puis ensuite de payer plein pot moitié ou la moitié. Mais on ne déduit pas encore pendant le calcul le fait que le short Tam ne paye que la moitié du Khatinezek. C'est clair? Voilà pour l'explication. Il y a vraiment quelque chose de très important, mais je préfère ne pas le dire, sinon ça va vraiment être dur. Adam betam, meshalem, bemotar, nezek, shalem. Ensuite, maintenant, on est déjà passé sur le cas de la Seifa, que lorsque l'homme cause un dommage au Tam, alors il doit lui payer nezek, shalem. Toute la différence, de Adam, muad, leolam, l'homme est toujours muad. L'homme est toujours averti, c'est clair, il y a bien évidemment... comme on l'a déjà appris, ça n'existe pas de payer la moitié du Nézek pour un homme, parce qu'il est moad depuis le début. Maintenant, Vetam Be'adam, par contre, si c'est le Shor Tam, le taureau inoffensif, qui a causé un dommage plus grand à l'homme que ce que l'homme lui a causé de dommage, mais Shalem Bamontar Khatsi Nézek devra payer sur la différence le Khatsi Nézek. Le Bartanurava nous ramène le Pasouk. Dirtiv, O Ben Yigaf, O Bat Yigaf, peut-être qu'on le fait dans les psukim, ça ira quand même un peu plus structuré. Il y a dans Parashat Mishpatim, la Torah qui précise les halakhot du taureau qui est encore un homme. Et la Torah commence à... Bon, c'est, on parle du taureau qui est encore un homme et qui le tue, on verra les halakhot plus loin. On parle là-bas de premier pasouk, Khaftet, dans Perek Khafalef, Khaftet. Premier pasouk, non, Khafalef, Khafret, premier pasouk parle d'un shor tam qui est encore homme. Deuxième pasouk parle d'un shor mouad, pasouk Khaftet, d'accord. Et ensuite, dans le pasouk Lamed Alef, la Torah va nous dire, et s'il encore est Benigar au Batigar, Kamishpataze Yaaselo, qu'il encore est un enfant ou une fille, Kamishpataze Yaaselo. Il y a ici une phrase un peu en trop, où... Finalement, on est venu nous dire, sache que s'il a causé un dommage, si le taureau a causé un dommage à l'homme, il faudra lui faire Kamishpataze Yaaselo. On lui fera Kamishpataze. De quel Mishpataze tu parles? Du dernier cas que tu viens de me parler? C'est-à-dire, on considérera qu'il est Mouad depuis le début? Ou bien, hein, du premier cas, hein, du premier et du deuxième, donc, où il passe d'abord la zone tampon, où on lui fait payer juste la moitié, et seulement après la quatrième, il paye un Nezek Shalem. Salama Khoket, Rabbi Akiva et Chachamim. Dirtiv, Obenigaf, Obatigaf, Kamishpat Azeya Selo, Kamishpat Shor Beshor, sur le même principe qu'un taureau qui encorne un taureau, Kachmishpat Shor Be'adam, de la même manière, le taureau qui encorne l'homme devra lui payer donc Ma Shor Beshor, Ta Meshalem Khatinezek, au moins Meshalem Nezek Shalem, de la même manière que le Shor Beshor, un taureau qui encorne un taureau, le Tam lui paye que Khatinezek, Av Shor Be'adam, de la même manière, le taureau qui encorne l'homme, dans les trois premières fois, il ne paye que Khatinezek, parce qu'il est Tam, puis après la quatrième fois, il paiera Nezek Shalem. Rabbi Akiva Omer, Aftam Shechaval Be'adam, Meshalem Bamotar Nezek Shalem. Rabbi Akiva ne pense pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il nous explique. Des Darish Kamishpat Azé, il prend ce verset là où il y a marqué Kamishpat Azé Yaselo. Tu sais de quoi on parle? Pas comme le Mishpat général des taureaux, non. Kamishpat Azé, le dernier passou qu'on a parlé. Or, tu m'as parlé Tam. Mouad, et puis après tu me dis Kamishpatazé, Kamishpatazé, ça se revient sur le cas du Mouad, tu le rendras toujours Mouad depuis le début. Des Darish, Kamishpatazé, les Dina des Sanika Ikramine, il interprète le verset Kamishpatazé sur le din précédent qu'on vient à l'instant de conclure, des Beshor Mouad Maïre, qu'on parle d'un taureau qui était Mouad, la Rika Amarkra. Et ainsi le Pasouk précise, Kamishpatazé, Shel Shor Mouad, Shemeshalem Nezek Shalem, qui devra toujours payer comme est le statut, du taureau mouad qui paye Nezek Shalem. Yaaselo, on lui fera ainsi, on le condamnera ainsi, les chol shor shenagar et adam vafilu shor tam, surtout taureau qui encornait le shor tam. Tout taureau tam qui encornait un homme, et on lui fera la même chose qu'il devra récupérer depuis le début, Nezek Shalem, vafilu shor tam. Ve'en alacha ke Rabbi Akiva, l'alacha n'est pas fixée comme Rabbi Akiva, donc c'était bien Rabbi Akiva Iger qui précisait ça de la Gemara, que même si d'après Rabbi Akiva il doit payer Nezek Shalem, il payera malgré tout Nezek Shalem, mais mi gufo,
à responsabilité limitée jusqu'à la valeur du corps du taureau et pas plus, il ne devra pas payer de sa poche. Je vous souhaite un Shavua Tov, une semaine pleine de réussite. Kol Tov Selah.